Rénover notre toit et notre salle de bain, ça coûte énormément d'argent. Je me demande s'il existe aussi des prêts pour ça. Transformer votre maison ou votre appartement en un véritable nid douillet ou rendre votre logement plus durable grâce à des mesures d'économie d'énergie, cela coûte de l'argent, souvent même beaucoup d'argent. Pas surprenant que la moitié des Belges se demandent comment financer la rénovation de leur habitation. Bien entendu, vous pouvez financer vos rénovations partiellement ou entièrement sur vos fonds propres. Si vous n'en avez pas assez, Fintra vous propose deux options. La première option est un prêt à tempérament, que nous appelons également dans ce cas un prêt rénovation. Ce type de crédit a une durée limitée de 10 ans. L'avantage d'un prêt à tempérament est que vous ne devez pas vous rendre chez un notaire et que vous ne devez pas payer de frais d'acte. La durée de ce prêt et les mensualités sont fixes. Le montant total du prêt est également versé en une seule fois, ce qui signifie que vous pouvez immédiatement faire usage de la totalité de la somme. Vous avez un prêt hypothécaire en cours dont vous avez déjà remboursé une partie ? Pendant la durée du prêt hypothécaire, vous pouvez réemprunter le capital déjà remboursé en tout ou en partie. L'avantage est que vous n'avez pas besoin d'un nouvel acte notarié. Sous certaines conditions, Fintra vous permet même de reprendre jusqu'à 120% du montant initial emprunté. En fonction de votre dossier, la durée souhaitée peut être discutée en tenant compte de votre capacité de remboursement. Mais attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Prenez donc d'abord rendez-vous avec l'agent bancaire Fintra de votre région. Une bonne discussion est le meilleur moyen de choisir ensemble la bonne solution pour votre situation.